Là, nous pouvons parler de fonction publique, ça, c'est un gros causé, et surtout dans une logique de réforme de l'État, réforme de l'administration publique. Pas que trop de temps depuis OMRH, tu as gagné un gros symposium. Il a un pile expert qui t'est intervenu et regardé qui j'ai une question de réforme, ça, capable de tourner une réalité. Qui j'ai une fonction publique à porter dans mon appareil, qui sa situation y est, je veux dire, la fonction publique, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il existe une fonction publique haïtienne, je veux dire. Vraiment, nous pourrons mettre accent en pile sur ça avec Maître Boussiko qui a coordonné fonction publique au niveau de l'Office Management des Ressources Humaines d'Haïti, l'OMRH. Maître Boussiko, bienvenue dans la mise au point, c'est un plaisir pour nous recevoir matin. Merci bien, c'est un plaisir pour moi tout, pour moi capable d'échanger avec nous et me profiter pour me saluer et tous les téléspectateurs, pour me saluer les collègues moi dans OMRH tout, pour me saluer tout. Donc merci beaucoup. Donc matin, comme on se dit, et nous allons parler d'un gros causé dans la réforme de l'État, c'est la question recrutement sur concours. Comment fonction publique la pote le jeudi à là? Et nous potez nous très bien parce que nous en mode réforme. Et nous potez nous très bien et n'avancer. Et n'a pas avancé, nous faisons un forum international là pour nous brasser l'idée avec toute une série d'experts dans notre pays. Nous avons brassé l'idée, n'a pas avancé très très bien. Et vous allez constater tout, vous prenez le temps de tout et résultat, toute une série d'efforts que nous avons fait. Je veux dire, combien de monde travaille dans la fonction publique? Et en Haïti, nous avons fait une étude, c'était en décembre 2017. Et gagné 81 948 fonctionnaires. Et dans 81 949 fonctionnaires, ça gagné 58 519 garçons et 23 429 femmes. Oui. Là, il n'y a pas de femmes dans la fonction publique. Non, bon, en fait, les 28%, oui, nous avons fait un effort. Nous avons fait un effort pour nous arriver dans 30%, donc nous avons 28%. Oui. Regardez le background de ça. Parce qu'il n'y a pas quitté la fonction publique là, et M. Boussiko, on va le confirmer, puisque vous dans le secret de Dieu. Il a remarqué que c'est plus petit personnel que nous avons dit dans la fonction publique là, mais il manque 4 des cadres supérieurs au niveau de la fonction publique des gens qui bah, ont un bac plus 4 et même une maîtrise doctorat. Oui, ça dit à son réalité vraiment, et nous allons rentrer dans ça tout à l'heure comme ça, parce que nous recevons des instructions formelles du président de la République pour nous capables d'avancer dans la question ça, surtout dans ça nous allons parler là, recrutement sous concours, recruter des jeunes de manière à ce que pour nous capables de renforcer toute bonne vraie fonction publique avec des cadres vraiment compétents. C'est ça. Qu'est-ce qui caractérise la fonction publique là, je vous dis, en Haïti avant d'entrer dans la question recrutement sous concours là? Ça caractérise les, c'est un petit peu vieillissement. L'aime parler de vieillissement, c'est dit que gagner trop pour agir vraiment par rapport à la quantité de jeunes qui t'a supposé la dernière. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, et nous avons fait un programme et accélérer de retraite, ok, côté que moun sa yo même dans ce premier temps yo pral aller à la retraite de manière à ce que pour que nous capables libérer place pour nous capables rentrer des jeunes et pour nous capables faire une fonction publique vraiment et axée sur la jeunesse. Là pour nous cap garder ou pral dire monsieur d'accord ou pas, dit tout son fonction publique il y a trop mais politique derrière, comme quoi en pile fois pour moun yo gagne accès avec lui faut gon piston, faut gon moun dans politique là qui dit la révolution côté moi. Non, ça c'est parole qui était qu'on a parlé longtemps. Ok, mais parole qui a parlé Kounia là, et au le temps de ça, on dit dans le concert, parole qui a parlé Kounia là, c'est tout autre. Parce que nous avons remarqué que ça fait un bout, côté que nous disons ça, que pour entrer dans la fonction publique là, c'est constitution qui est dit, pour entrer, c'est pas avoir de concours pour entrer, donc ça n'a pas déjà fait, mais Kounia là, dans le cadre de la réforme de l'État, nous sommes rentrés de plein pays dans la question ça et nous allons entendre tout à l'heure comme ça. Alors, réforme de l'État, sur qui ça? Et M. Boussiko, réforme de l'administration publique, réforme de fonction publique, sur qui ça? Non, en fait, nous parlons surtout de réforme de l'État qui campait sur la réforme de la fonction publique, nous campait sur la rénovation de l'administration publique, mais ce n'est pas pour nous seulement et l'administration centrale, nous allons tout sur les collectivités territoriales et nous allons prendre l'État même en général et dans le cadre de réforme. Parfait. Là maintenant, vous avez dit, je dis à Genji Fok à fait pour que nous ouvrions la fonction publique là. Vous même dit, nous voulons gens rajeunir la fonction publique là et nous croyons que le nécessaire c'est concours organisé. Yeah. Bon, j'en ai que la fonction publique là, j'ai la loi demander ça. Alors,
Est-ce que l'un des songes que c'est moun qu'on a imposé moun dans la fonction publique là, c'est support politique qu'on a gagné, et puis je dis à nous dit, faut que nous tourner à la question concours là. Qui ça ne va être nous comme moyen pour qu'effectivement c'est ça qui est réalité je dis à la fonction publique là, et même Boussico? Et comme moyen nous gagner. Bon, en fait, deux par formation, moi, c'est avocat mien, rapidement rabattre sur la loi. Nous avons la Constitution qui dit comme ça que, mais ça peut faire. Mais qui j'en pour monde rentrer dans la fonction publique. Question est toujours là, mais oui, exactement, attendez, oui. Après ça, qu'on y a là, nous avons texte 2005. Nous avons arrêté tout sous recrutement, arrêté 2013, là, qui parlait de ça. Mais qu'on y a là, nous dit comme ça que, on font camper tout ça que nous faisons longtemps, de manière à ce que pour qu'on y a là, pour être capable de faire bagaille d'après la loi et les règlements. Donc c'est exactement ça qu'on a fait qu'on y a là, on a fait d'après la loi et les règlements. Mm-hmm. Donc nous profiter tout de et vision et président de la République, son excellence monsieur Jovenel Moïse, de vision qui voulait que ces premiers points dans premier axe dans sept grands axes que vous gagnez que l'administration Moïse l'a gagné, c'est premier ça, c'est recrutement sur concours. Si vous voulez m'appeler, c'est recruter sur concours des jeunes compétents en vue de redynamiser l'administration publique. C'est premier point dans le premier axe administration Moïse là. Mm-hmm. Donc c'est lui-même exactement lui-même nature. Président qui regarde le MH gagné, ce monde qui a pris entrée dans la fonction publique pour que ça dit là, il fait tout bon vrai. Yep. Et on va faire m'anticiper, mais qui te me répond. Et il y a une série de dossiers, parce que moi-même, dans la fonction publique, comme coordinateur de fonction publique, et nous établissons une série de formulaires de recevabilité des dossiers. Okay. Depuis le dossier arrivé, depuis la réception du dossier arrivé, et si le dossier n'est pas conforme à processus recrutement sur concours, nous voyons tout. Qui s'allie, nous sommes capables de rentrer rapidement là-dedans pour vous, qui s'allie, c'est institution, soit ministère ou bien et organisme, li exprime besoin. L'elfine exprime besoin nous qu'on y a là, au MRH, qu'on y a ça nous fait qu'on y a là, nous travaillons ensemble avec lui, nous aider le monter profil de poste là. Qu'on y a à partir de profil de poste là qu'on y a là, nous élaborer thème de référence là, okay. Et ces thèmes de référence là qu'on y a là, que nous pouvons publier dans le journal avec sous site au MRH là, de manière à ce que pour tout le monde capable d'y accéder avec nous, pour tout le monde capable. À ce moment là, vous voyez dossier, et là vous voyez dossier qu'on y a là, nous mêmes encore une fois au MRH, superviser tout processus là, nous faire tout concours net, et jusqu'à ce que nous rentrons dans le stage. Et là nous rentrons dans le stage qu'on y a là, et nous fait trois mois au moins en stage. Après ça, après 3 mois ça, vous voyez un rapport du stage banon. Et c'est sous base rapport du stage ça qu'on y a là que Premier ministre nous pourra recommander à Premier ministre pour nommer Mounsa. Donc en d'autres termes, depuis pas gagné tout document ça qui rentre dans l'OMRH pour une nomination, nous trouvons le donner. Soit dit là, est-ce qu'elle concernait toute la fonction publique jeudi à M. Boussico? Il concernait toute la fonction publique en Haïti jeudi. Alors, aucune institution n'a pas prendre d'assaut jeudi pour nommer mon gens, vous voulez? Très bien. Si que l'État pensait qu'il était capable de passer sous côté, depuis qu'il est dans le ministère des Finances a dit que vous voulez le donner parce qu'il n'a pas gagné avis de conformité au MRH. Mais quand on a regardé, on dit qu'on est un peu de fois, politique qui a une force, ou bras, a fait pression. Est-ce que pas l'impression qui exerce aujourd'hui sous le MRH pour t'a dit, mon cher, mon dossier là, fais le passer pour moi, non? Et non. Moi-même, au niveau de coordination fonction publique là, non. Pas de bail comme ça. Non, pas de bail comme ça. Mm-hmm. Parce que tout le monde est déjà connu que ceux qui bite que nous campions. Pas de bail comme ça, question de mon pas, prendre un dossier en bas pour moi, faire mon faveur. Non, non. Parce que vous déjà connu que c'est sous concours. T'as l'air de parler de ça. Vous connaissez déjà connu que c'est sous concours. Mais qui est un concours à faire, on met en entrée dans la question. En entrée dans la question. Parce que vous là, qui est le fait que ça est affreux. N'a pas rentré la dernière, dans la cause que je viens parler avec nous matin là. En fait, et tant que je dis à là, et d'après vision du président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, et sous instruction Premier ministre, Dr Jacques Lafontaine, et avec dynamique Dr Josué Pierre-Louis, qui est coordonnateur général au MRH, nous avons réalisé 5 grands concours. Et 5 grands concours, ça va permettre que nous puissions développer sur l'un après l'autre. Premier, c'était. Et l'année dernière, c'était concours pour nous constituer et corps, ou bien pour nous renforcer corps administrateur civil d'État. Dans presque
nous avons besoin de 50 personnes, nous avons enregistré 2128 dossiers. Dans 2128 dossiers, ça, nous faisons concours en bonne et due forme avec un jury indépendant composé de 9 personnes dans la société civile là, indépendant, vraiment indépendant. Ensuite, nous avons recruté 50 personnes. Donc 50 personnes actuellement sont en formation et c'est eux-mêmes qui prennent renforcer, venir renforcer corps administrateur civil d'État. Mais quittez-moi font élaborer sous lui. Et corps administrateur civil d'État, ça, c'est pas 50 personnes ça seulement qui que nous avons recruté, qui en formation, qui constitue le vraiment vrai. D'après, on a arrêté, et c'était en 19 février 2018 que le Premier ministre a été fait sortir, nous avons fait constituer un statut particulier pour ça, de manière à ce que nous sommes capables de réglementer ça. Mm-hmm. Donc nous disons ça que les gens qui sont supposés venir faire partie de ça, c'est une série de recadres de l'administration publique qui exercent une fonction politique. Okay? Et qui répondent aux exigences des emplois de catégorie A dans le décret 17 mai 2005. Et ça concernait tout une série de monde, en fait, monde ça yo, il était supposé faire carrière dans la fonction publique là, et carrière d'au moins 15 ans. Donc nous disons ça que une série de ministres qui en poste qu'on y a là, une série de directeurs généraux qui en poste qu'on y a là, donc tout le monde ça yo appelé à faire partie du corps administrateur civil d'État. Donc c'est véritablement un corps d'élite. Deuxième catégorie de monde qui est concerné, ce sont les directeurs et les assistants directeurs. Directeurs et assistants directeurs qui ont licence, mais qui gagnent au moins 7 ans d'expérience. Nous disons ça que, moun encore capable de faire partie de l'ITU, ce sont les diplômés de l'ENAP et des grandes écoles d'administration publique. Donc, moun ça y a même tout, d'office, sont capables de rentrer dans le cours à tout. Ensuite, tant qu'on est tout à l'heure là, les 50 jeunes qui ont pris formation dans l'ENAP ici en Haïti. École nationale d'administration publique. École nationale d'administration publique. Mm-hmm. Donc, moun ça y a même pour être capable de rentrer parce que vous avez jusqu'à la fin de mois ça, pour être capable de venir renforcer le cours à ça, vous avez apporté copie lettre de nomination, première lettre. Nomination était gagnée, copie lettre nomination. Il y a pour apporter copie conforme des diplômes obtenus, curriculum vitae actualisé et attestation du poste actuellement occupé. Donc c'est dossier ça que nous avons besoin. Non mais chaque monde peut déposer dossier dans l'OMRH de manière à ce que pour capable analyser dossier pour monde ça capable rentrer d'emblée dans quoi ça parce que tant comme se dit là son corps prestigieux que Dieu son corps délit que Dieu. Qui te font camper dans quoi pour me font précision. Mais nous sommes pas ces concours non. Nous sommes pas d'office au qualifié. Au qualifié. Donc nous invitons mon ancien ministre, mon qui ministre actuellement, mon qui directeur général actuellement, pour être capable de déposer dossier dans le Depuis qu'il y a une licence ou un diplôme. Il y a diplôme avec expérience tout dans la fonction publique. C'est ça. Okay? Ensuite, gagner un qui t'aime tout sur quoi. En principe, ou alors après rentrer dans la fonction publique là, ou supposé rentrer dans nos corps de métier. Donc nous créons quoi ça, c'est quoi d'administrateur civil d'État, mais il y a l'autre corps encore qui continue à créer dans la fonction publique là, de manière à ce que l'on rentre, n'importe qui mon rentre, il rentre dans le corps. Et là, l'entrée dans le corps, il y a son garantie que lui rentre là, je dis à là, il connaît qu'après 20 ans, après 25 ans, qui peut être pas le situé. Et dans quoi ça, il rentre parce que nous disons bien, son corps de métier que lui est, et dans quoi ça, il rentre qu'on y a là, il y a une formation initiale. Il a grandi dans le corps, ensuite il a grandi qu'on y a là, il prend promotion dans le corps. Il n'y a pas besoin où on voit que ah mon cher il est dehors ou son bel nègre etc ou bien campé ma bonne promotion non promotion automatique n'a quoi ok et l'entrée non échelon et la grandit dans échelon et la grandit dans grade là jusqu'à ce qu'elle fait carrière net tant qu'on constitue son mandat ils diront ça que c'est où entrer faut qu'on fait carrière la fonction publique c'est une carrière la fonction publique c'est une carrière donc c'est comme ça que nous mêmes dans l'OMRH nous concevoir c'est comme ça nous commencer constituer quoi et c'est comme ça que n'a avancé de manière à ce que pour mon rentrer comme ça il faut s'arrêter dans premier ça premier ça et mettre Boussico qui jusqu'à qui nous baille tête pour recevoir dossier mounio et en principe nous baille tête nous jusqu'au 31 mai pour nous recevoir dossier. Là, c'est des gens qui sont déjà dans la fonction publique là. Oui, mais des gens qui peut-être qui beaucoup dans la fonction publique là, qui ont envie de faire partie de quoi et qui qualifient pour nous ça. Non, mais exactement. Donc, l'idée fait chance de rater. Peut-être que nous avons organisé l'autre concours encore, mais ce concours, ça a été fait l'année dernière là pour 50 jeunes. Mais nous allons continuer à renforcer. Parce que c'est pour nous répondre à une question que tu posais d'aller là, à savoir que pas suffisamment de cadres. Donc, c'est dans la logique. Ok, renforcer l'administration avec beaucoup plus de cadres compétents et formés, de manière à ce qui fait que nous faut commencer avec quoi ça, qui c'est corps d'élite, ça avec corps administrateur civil d'État. Donc, comme nous, il y a l'autre corps encore qui peut le former et dans toute catégorie ABC dans la question. Le 31 mai, tout le monde qui est dans la fonction publique là, qui a un minimum d'expérience et qui a un papier. Qui répond à critères, ça me dit là, le monde ça même, pas aucun problème, n'a pas reçu le dossier dans l'OMRH et n'a pas analysé de manière à ce que pour être capable
constituer corps de l'État tout bon. On dit vous faites ce concours. Niveau oui, de... ça c'est le premier concours. Deuxième concours lui-même, son concours qui concernait OMRH. Parce que nous disons comme ça que pour les gens qui viennent OMRH là, nous voulons que renforcer. Parce que si que nous avons un travail et de qualité vraiment vrai pour la mission que nous gagnons, il faut que nous soyons capables de gagner des cadres nous-mêmes, des cadres compétents. Donc il fait que nous te lançons un concours dans OMRH et le concours ça a été concerné environ une douzaine de postes. Donc il est concerné un directeur en politique et système de gestion des ressources humaines, directeur de recrutement, promotion et avancement, un directeur des systèmes de formation, un secrétaire exécutif, assistant administratif, graphiste, conseiller en administration publique, responsable de rédaction et de production de contenu, un directeur en développement des compétences et carrières, un expert en communication et directeur en organisation et méthode. Donc, concours ça nous lance et tant comme là, c'est les yeux bandés. Nous pas contre mon York qui devine là. Donc nous lançons concours, nous recevons environ 400 dossiers, nous traitons, nous faisons examen correctement en bonne et due forme. Ensuite, le monde qui est meilleur là, il passe. Okay. Et le monde ça actuellement stage. Et nous ne connaissons pas vraiment, ce n'est pas le monde que nous connaissons, nous n'avons aucune relation avec eux. Donc ça c'est concours ça dans OMRH. Et avec dans OMRH, et nous réalisons tout, on sait de l'autre concours tout dans notre structure dans primature. Tel que UCLBP, nous organisons un concours pour eux tout. Tel que CFOFAFOP. Nous organisons concours pour tout, tel que CNMP. CNMP, environ 50 monde comme ça, nous avons organisé un concours à l'interne pour tout en bonne et due forme. C'est comme nous là, les yeux bandés. Les yeux bandés. Ok, ça c'était le deuxième grand concours. Ensuite, l'autre troisième grand concours, c'est pour les ministères sectoriels. Les ministères sectoriels, tant que nous là, ils ont identifié les besoins. Après ça, nous avons envoyé notre là-bas, nous-mêmes nous accompagnons depuis l'élaboration profil de poste. Parce que soit après rentrer, ou supposer qu'on est que. Qui sont prêts à le faire? À ce longtemps, c'est là. Vous laguez l'autre côté. Vous laguez l'autre côté, ensuite, sans pas vous avez besoin de le faire, etc. Vous laguez l'autre côté. Pour nous, nous exigeons dans ce sens-là. Et tant que nous mettons ça campé, et c'est lui-même qui va le publier comme thème de référence. Ensuite, nous disons ça que plusieurs ministères, ministère de santé publique, ministère de culture, ministère économie et finances, parce que nous faisons une équipe la semaine dernière, là, travail la dernière. Donc, plusieurs ministères sectoriels comme ça qui entrent dans la dynamique recrutement sur concours. Ensuite, l'autre quatrième grand concours lui-même, c'est concours ONAPI. ONAPI a lui-même, il a besoin de recruter environ 20 personnes. Concours ça a lui-même, nous avons fait dimanche dernier, là, nous avons fait dans le lycée Pétionville. Là. Nous avons reçu 438 dossiers et dans 438 dossiers, ça, nous avons retenu 196 et 796 qui t'a participé, qui t'a composé dans le lycée Pétionville. Donc lui-même, nous avons besoin et 10 coordonnateurs départementaux, nous avons besoin de coordonnateurs des bureaux départementaux, nous avons besoin d'un responsable ressources humaines, un technicien informatique, un assistant comptable, un responsable du dialogue institutionnel, un responsable de communication, un assistant administratif, un secrétaire de direction, un responsable d'études et d'évaluation de projet, un directeur de partenariat. En tout, nous te fait concours pour 20 monde. Donc actuellement, jeudi à là, que tu m'as parlé avec voilà, l'homme fini, je vais superviser et correction examen. Parce que nous finissons faire examen un dimanche. Donc il y a une correction qui a commencé jeudi à là. Nous allons au MRH en bonne édition, on va le superviser de manière à ce que pour nous connaître que ce que vous faites bien dans l'ordre, etc. C'est ça que vous faites, c'est ouais. C'est exactement ça que vous faites, c'est exactement. Avant que nous avancions dans la question. Donc c'est quatrième concours, cinquième concours. Cinquième grand concours lui-même, c'est ça concernait les bureaux agricoles communaux, les BAC. Tu as une faiblesse dans la question ça. Et le ministre de l'Agriculture là, tu as contacté nous et nous t'accompagnons encore. Et pour dossier ça, pour lui-même, nous recevons 421 dossiers et 421 dossiers ça, il y a 118 personnes qui sont retenus. Et 118 personnes ça, eux-mêmes, ils sont prêts à aller dans l'examen et dimanche 3 juin dans la faculté d'agronomie d'Amiens. Ok, et là donc nous faisons concours dans toute transparence, c'est pas l'impression. Dans toute transparence. Nous qui passons, c'est au passé. Et nous continuons encore dans le même ministère de l'Agriculture, et nous faisons concours pour nous recruter 100 membres. Et je pense que d'ici après-midi, on est capable d'associer au MRH là, d'ici après-midi ou deux mois plus tard, nous avons besoin de 20 chauffeurs pour semi-remorque. Nous avons besoin de 40 opérateurs de bulldozers et 40 opérateurs d'excavatrices. Donc ça fait 100 personnes que toujours au niveau du ministère de l'Agriculture. Tant que nous-mêmes, nous appliquons les principes
OK, les principes de A à Z et nous faire concours avec les subventions. Bon, la grande question hein, et M. Boussico, là faire concours, nous voulons gagner des bons cadres qui viennent de fonction publique là, mais une remarque que fait c'est que la fonction publique n'a pas payé mon bien. Une remarque que fait ça gagne là comme gris salarial, en plus fois ne pas qu'à kembe 4 jours, ça fait grand pile monde qui pas intéressé venir travailler pour l'État, mais grand pile monde qui là qui a quitté l'État car dans l'autre institution qui a aidé joindre moyen pour fonctionner. Est-ce que au niveau de l'OMRH pas des réflexions qu'a fait pour ta viser ça n'y est là comme gris salarial, M. Boussico. Très bien. Et permettre que je me fasse et pour une petite correction tout petit dans ce dia. Et nous pouvons gagner gris salarial là vraiment. Nous avons barème. Ok. Nous payons mon nom selon barème. Quand il y a là, OMRH a fait un effort pour le capable rentrer dans gris salarial. Ah, et mieux. Effectivement, quand il y a là, nous réfléchir sur ça et demain, nous avons réunion sur ça avec le ministère. Nous faisons deux conseils avec le ministère des Finances. Côté que nous avons réfléchi sur ça de manière à ce que et pour nous capables porter des corrections dans ça. Mais nous avons une correction encore qui est assez significative que nous avons porté et nous sommes capables de comprendre tout. On dit comme ça que je dis à là, je nomme moi secrétaire. Ok? Mais il y a un monde qui était secrétaire depuis 10 ans. Je ne parle pas de toucher même avec lui. Ouais. Ça pas fait. Ce n'est pas supposé fait. Donc, ces bagages, ça là, nous avons appris que si on t'a corrigé dans l'OMRH, côté que nous constituons Koyo, et de manière à ce que pour les gens qui rentrent dans l'échelon, et les gravis échelon, de manière à ce que même si nous sommes secrétaires, nous deux secrétaires, mais les gens qui ont plus d'ancienneté, les gens qui ont plus bel diplôme, nous avons supposé mieux traiter que les gens qui font contraire. C'est tout à fait normal. Mais là, tout le monde va regarder. Bon, moi, le Parlement est penché sur ça. Question de validation des acquis de l'expérience. Quand plus de monde qui est dans l'État, il y a pile de temps, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Maintenant, mais au fait qu'il y a une quantité de temps depuis qu'il a fait sa affaire, bon, est-ce qu'il fait le bien ou pas? Ça, c'est l'autre cause. Est-ce que l'OMRH a essayé de regarder Mounsayo? Qui s'en va le considérer comme Mounsayo? C'est pas garder l'OMRH, garder seulement, non? L'OMRH est rentré dans la question. L'OMRH est rentré dans la question, et ceci depuis près de 2 ans, côté que, en partenariat avec l'université qui se crée à l'université Créteil en France, nous avons lancé vraiment VAEP, nous avons le VAEP. Côté que mon premier cohorte de monde déjà, qui déjà sorti déjà, c'était une trentaine, il était concerné une trentaine de monde qui sortit déjà avec un diplôme qui équivaut à la licence. Ok? Qu'on y a là, nous faisons, nous lancer d'ici septembre-octobre, un lot cohorte encore, de manière à ce que pour nous capables, nous savons dire à la même qui partait un diplôme, qui gagne expérience seulement, donc nous avons un cours d'appoint de manière à ce que pour capable permettre que nous gagne un diplôme, même si avec tout le diplôme universitaire. Parce que là, c'est quand même un gros problème. Oui. Nous penchons sur ça et n'a pas avancé sur ça parce que nous déjà, depuis deux ans, nous déjà sur ça. Mais la question est là tout, c'est un problème. Il y a un monde qui est arrivé pour aller, mais qui a plus de fois pas aller tout. Oui, dans la question de l'État, si nous prenons, nous sommes capables de prendre un dossier tout, c'est le ministère de l'Agriculture. Actuellement, nous travaillons sur le dossier ça, très très fort, de manière à ce que, pour nous capables, parce que dans le ministère de l'Agriculture, presque 67% cadio, c'est le monde qui n'a pas joué à la retraite. Donc, nous travaillons très très dur sur ça, de manière à ce que, pour nous, que le monde s'arrête pour aller. Et c'est là encore, tout jeune qui qualifie au Kounyara, pour avoir une possibilité de rentrer dans la fonction publique, là, parce que nous allons faire de grands concours, de manière à ce que pour le monde s'arrête pour aller à la retraite, là, Kounyara, pour être capable de remplacer par des jeunes compétents et qualifiés. Mon gars, regardez ma tête, t'as dit, après que son piston, nos amis taille, les potis, ben, ça a fini. En fonction publique, là, je veux dire, j'en parle là. Et je me parle à la question de parrain, amis taille, et fait passer ça pour moi, fait passer dossier ça pour moi, bah, etc. Ah, ça oui. Finit. Donc, ouais, l'endroit m'a parlé avec vous là, il était pour petit moi, pour madame moi, pour me pas qu'on besoin qu'on qui laisse moi-même recrutement sur concours. Pas besoin qu'on ait moi, moi, pour rentrer dans la fonction publique là sur concours. Et laisse ça, qu'on y a là, rentrer qu'on y a là, laisse ça, on va frapper le stomac, on va dire qu'on s'accroche, bien rentrer, et laisse ça tout. Les coûts capables de plus productif tout. Ouais. Parce qu'on connaît, ou qu'on est que c'est force courage qu'il faut rentrer et là ça qu'on y a là ça parle juste au comportement, ça parle juste sur une série de bagages, ça parle juste sur productivité tout. Ouais. Donc, okay, nous voyons deux fois sur personne. En personne, exactement. Maintenant, et qu'est-ce qu'on contrat à tout? Comment ça arrive je dis? On connaît bon, t'es gros tentative et ça te fait gros bruit dans la radio, la télévision comme quoi on vient acheter travail pour que il te retire le contrat net. Comment ça arrive? Et en principe, nous travaillons sur le dossier contractuel. Et qui t'a dit un petit bagaille, c'est que de par décret 17 mai 2005, là, un monde qui rentre comme contractuel, ou t'as supposé faire 1 an. Point boule. Après ça va faire des contrats tout le temps. Exceptionnellement, contrat capable de renouveler une seule fois. Mais si contrat là lui-même,
continuer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son poste permanent. Ah mais puisque son poste permanent, on ouvre poste là, on nomme Mounio. Et là, ça, il y a une pile institution qui fait ça, qui ouvre poste, il y a là, il relaie OMH, quoi, santé publique fait ça en pile ensemble avec nous, travaux publics fait ça en tout ensemble avec nous, il y a ouvert poste là, il y a là, après ça, il y a là, nous procéder en recrutement à l'interne. Il y a nous lancer avis à l'interne, ensuite, il y a Vini, il vient déposer dossier encore, etc. Nous faire concours, ensuite, il y a renommé. Alors, je reprends, M. Boussico, je dis à même si on a bon promotion à l'interne. Nous avons bon poste en TNH là, il faut que le poste soit ouvert et il faut tout le temps qu'on ait poste disponible et tout le monde qui postule en dedans. Et non, c'est, vous parlez de concours. Non, nous parlons de promotion ou bien concours. Si que, pour exemple, on dit comme ça que gagner un poste directrice administrative comme ça, dans TNH, qui l'ouvre. Ok? Si. Ou capable rapidement faire un concours à l'interne. Okay. C'est-à-dire que vous voyez là à l'interne. Mais cependant, vous capable pas avoir une ressource à l'interne. Okay. À ce moment-là, vous capable faire lire à l'externe. Le plus souvent, vous compte faire lire et à l'interne et à l'externe. Okay. De manière à ce que n'importe qui monde rentre. Parce qu'actuellement, moi j'ai un problème comme ça au niveau du ministère des Haïtiens via l'étranger. Tout. Côté que vous besoin au monde, et pas ministère, il y a trois ministères qui concernent pas que ça. Vous voyez notre là à l'interne, vous n'avez pas une ressource que vous avez besoin à l'interne, qu'on y a là, n'a fait lire à l'interne et à l'externe. Ok, donc c'est une façon que pour nous institutionnaliser question hein, de manière à ce que pour bagaille ça rentrer dans le réflexe administratif et institutionnel. Bon, ça fait une fonction publique de qualité. Exactement, ça fait une fonction publique de qualité avec des mondes vraiment compétents vraiment qui capables qui qualifiés et puis qui compétents. Voilà. Alors que ça me paraît tant dit là parce que je même si t'es pas donné faut passer ouais nous parce que quand pile parole pour nous. Oui de temps en temps faut passer ouais nous parce que gain plus bagarre pour pas avancer avec réforme non faut nous communiquer un peu sur ça de manière à ce que pour un pile monde capable connait que en fait qui ça nous fait qui ça n'a pas fait donc moi t'as dit tout et parce que moi nous pas le fini t'as dit tout que encourager un paquet de bon monde et non seulement à l'école mais cependant aller toujours sur site OMH là parce que sur site OMH là nous toujours publier concours. Okay. Donc vous prenez le site OMH là, vous prenez le garder, qui ça gagne, etc. Et là, ça, il y a une chance tout participer dans tout concours que dans tout concours que la peur. Parce que songez bien tout comme ça que l'institution elle-même l'a publié sous dans le journal, etc. Mais elle a une obligation pour lui voyer le bas OMH, pour OMH publier sous site par là. Donc en d'autres termes, a toujours sous site OMH là, a toujours une publication ça pour en ce qui a trait et au recrutement sur concours. Pas problème, c'est responsable fonction publique, Mathieu Boussico, tu es content et parler avec au matin et je viens de dire c'est pas une fois n'a pas pourtant plus ouvri. Ou capable d'être chaque deux semaines, nous avons connu qui ça l'OMH a fait, qui vient d'avancer un processus qui est formé et qui ça publie là, d'où est qu'on est sur ça. Et puis, jeune autre qui a envie, il vient travailler dans l'État, pour qu'on ait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de monde qui mette. Si tu es paré, tu es qualifié, tu as déposé dossier, puis passer concours, et puis monde qui est bon, c'est bon. Très bien, c'est ça. Voilà, merci à Pile, M. Boussico. Donc, c'est un plaisir. Voilà. Mathieu Boussico, coordonnateur fonction publique, qui était avec nous pour nous faire le point sur ensemble d'activités, Office Management, Ressources Humaines d'Haïti, OMH a réalisé en un pays. Merci tout le monde. Sous ta suite en direct, lorsque tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.